Là. Allez, c'est parti. Vérifie. Ok, très bien. On va juste. Hop. Allez, on y va. Ok. Et on fait une dernière. Merci. Petite dernière. Hop. Allez. Merci. Alexandre, heureux d'être à Brest. Oui, oui, très heureux. Très heureux d'avoir rejoint ce club. Pourquoi Brest? Tu étais en contact avec Brest depuis longtemps? C'était plusieurs clubs qui étaient sur qui s'intéressaient à ce prêt-là ou... Oui, oui, j'avais plusieurs clubs, notamment à l'étranger. Mmh. J'ai préféré rejoindre Brest, notamment grâce au discours de Greg et les ambitions du club qui correspondaient à ce que j'attendais. C'était un souhait de rester en France? Oui, ouais, c'était un souhait. Je voulais vraiment rester en France. À Bordeaux, pour toi, la porte était compliquée. Enfin, comment s'est passé? Ouais, c'était compliqué. On m'a fait comprendre directement que j'allais pas avoir tant de jeu et qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. T'es un peu déçu de ne pas avoir plus eu ta chance à Bordeaux? Déçu, non, parce que j'ai été blessé 11 mois. Je suis revenu au bout de 11 mois, 4 mois et demi, 5 mois, j'ai mis 5 buts. Donc je pense avoir tout fait sur le terrain pour au moins participer au match amicaux. Et comment s'est passée ta saison dernière, même s'il y a eu la descente? Tu as fait une bonne fin de saison en marquant sur les 3 dernières journées. Quel bilan tu tires de cette saison à Guingamp? Vu qu'on est descendu collectivement, c'est pas un bon bilan. Après, au début, j'avais un peu d'appréhension, un peu de douleur dû à ma blessure, et sur la fin j'ai montré que ça allait de mieux en mieux et que j'ai récupéré le rythme. Tu as discuté, j'imagine, avec le coach avant de signer à Brest. Est-ce que tu sais dans quel registre il compte t'utiliser, à tout seul devant, à deux? Non, on n'a pas trop discuté de ça, on a plutôt discuté de mon rythme, de comment s'est passé ma prépa, et qui souhaitait ma venue. Aujourd'hui je suis là et je suis là pour aider le Stade Brestois. Comment s'est passé justement ta prépa alors, avant de rejoindre Brest? Déjà, je suis pas parti en vacances, je me suis préparé tout seul avec un prépa. Je suis rentré à Bordeaux, on était à l'écart et un peu avec la réserve. Et t'as participé à des matchs de prépa avec la réserve ou non? Non, non, même pas. L'intégration au groupe, elle se passe bien? Enfin, comment tu te sens ici? Ouais, très très bien, il y a des bons gars. Je connaissais déjà Romain Perrault. Après, les garçons, ils sont plutôt cool, donc ça se fait naturellement. Le maintien, tu connais, t'as vécu ça l'année dernière également. On dit pas que Brest joue le maintien, hein. J'espère qu'il peut revenir facilement, mais c'est un peu le même style de club, un club familial, un club qui va devoir se battre pour se maintenir. Bien sûr, un club familial avec des valeurs. On sait qu'il y a eu la montée la saison dernière, donc l'objectif premier, c'est le maintien. Est-ce que les supporters sont un peu briefés sur la rivalité entre Guingamp et Brest? Je m'attendais à cette question. Non, j'ai pas encore eu la chance de voir les supporters, mais après, comme je l'ai toujours dit, partout où je passe, je joue pour le maillot, donc je serai à fond comme j'ai été dans mes précédents clubs. Et là, physiquement, tu te sens prêt pour ce week-end ou... Ouais, je me sens prêt. Après, la décision reste au coach. Je pense que j'ai rattrapé le retard que j'avais. Après, il manque les matchs parce que j'ai pas fait de match amicaux. Grégory, Alexandre, c'est un style d'attaquant que vous n'aviez pas, plutôt un genre de fixation, enfin, ce que j'en ai dit. Ben c'est vrai que dans la construction de l'effectif, on cherchait à avoir un attaquant capable de jouer un petit peu en seul en pointe, en fixation, apporter un peu de vitesse, de puissance. C'est les caractéristiques donc qu'a Alexandre. On savait aussi que c'était un dossier qu'il fallait être patient. Du moment où le coach, en début de mercato, avait aussi validé l'arrivée d'Alexandre, on a été patient, on a fait les choses où on savait que c'était justement un dossier qui devait, on va dire, se concrétiser sur la fin, parce qu'il a eu beaucoup de sollicitations. C'est vrai que Bordeaux, ça n'a pas été simple, parce qu'il voulait aussi l'envoyer dans d'autres clubs, surtout à l'étranger et non pas en France. Et nous, c'était aussi de devoir anticiper le départ de un voire deux attaquants qui, bon, même si aujourd'hui ne sont pas
sont encore parmi nous, mais c'était aussi dans ce sens-là qu'on s'était rapproché d'Alexandre pour pouvoir justement pallier à ce manque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas eu de préparation physique, il a eu un contexte assez compliqué avec les Girondins, donc pour nous, c'est important de lui faire retravailler un petit peu tout ça. Et quand le coach estimera qu'il sera prêt pour pouvoir intégrer l'équipe, ça sera lui de décider le bon moment pour pouvoir le mettre dans le 11. Après, on sait très bien que c'est un joueur qui peut nous rendre énormément de services. Il a aussi l'expérience de la Ligue 1. Il est capable, d'apporter cette puissance sur l'aspect offensif. Et maintenant, ça sera lui aussi quotidiennement de montrer au coach qu'il pourra faire appel à lui rapidement, mais en tout cas, je suis confiant là-dessus et je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à son intégration. Ok, très bien. Kevin, comment tu te sens physiquement? Parce que tu as repris l'entraînement un peu plus tard que les autres. Physiquement, je me sens bien. J'ai à peu près comme Alex, sauf que moi j'ai été tout seul. J'ai fait ma préparation de mon côté avec mon prépa physique pendant 2 mois. Et physiquement, sincèrement, je me sens bien, mais après il manque des rythmes de match. C'est tout ce qui me reste. Je te parlais de la situation avec Lens, c'était compliqué pour toi. Les derniers mois, il y a eu un conflit entre toi et le club. Comment t'as vécu ça, toi? Ouais, je l'ai bien vécu. Après, vers la fin, c'était un peu compliqué parce que dans ma tête, je me disais que j'allais rester là-bas, ça allait être compliqué. J'ai été en conflit avec eux, donc je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais le Stade Brestois est venu j'ai pris cette opportunité, on va dire, ça m'a fait plaisir déjà, qu'ils me tendent la main. Puis j'ai parlé avec Greg et le coach, et leur discours m'a fait plaisir, et c'est pour ça que je suis ici. Ça s'est joué vraiment sur la fin du mercato, tu aurais pu rester à Lens, tout ça, t'aurais pu rester à Lens, toi, c'était quelque chose qui était convaincant pour toi? Rester, je sais pas si je devais rester, moi je voulais voir ailleurs en fait. Je voulais. Atteindre un autre niveau, on va dire, de jeu. Puis, pour rester, ils étaient en Ligue 1, donc c'était aussi une bonne opportunité pour moi. Et je sais pas quoi dire, quoi. Je suis là, quoi. On a parlé d'un intérêt de Nantes aussi. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Brest? La balance, c'est Greg et le coach. C'est leur discours, c'est les ambitions qu'ils m'ont donné, le projet. Et quand il y a un projet, déjà, c'est bien déjà pour le joueur. Et on avait les mêmes projets, donc c'est ce qui a fait pencher la balance vers Brest. Et tu connais plus ou moins Brest, puisque tu les as affrontés en Ligue 2. Quelle image tu avais de cette équipe-là lors des matchs entre Lens et Brest? Déjà, c'était un peu la guerre, on va dire, contre eux. C'était pas un derby, mais c'était un match à ne pas perdre contre Brest. C'était. Fallait gagner, quoi. Puis, il y a eu des matchs très chauds contre eux. Et ben, on n'a pas souvent gagné, on va dire. Je les connais à peu près tous, on va dire, les joueurs. Et sur le terrain, tu sentais qu'ils étaient puissants. Surtout l'an passé, tu sentais qu'il y avait un groupe solidaire. Et quand tu jouais contre eux, tu ressentais ça, quoi. C'est contre Brest que tu joues ton premier match en pro, je crois, en remplaçant retraite, si je dis pas de bêtises. Non, 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 non. C'est pas c'était, ça. C'était contre Tours. Parce que en Ligue 2 aussi. Ouais. Là, parce que j'avais cru sur la LFP, c'était écrit que tu avais remplacé retraite à un moment après un carton rouge de Fofana et t'étais remplacé. Ouais, non, c'était contre Tours, c'était mon premier match, ouais, c'était contre Tours, oui.
Et à part ça, donc Mathias Entraide, c'est le seul joueur avec qui tu avais déjà joué, c'est le seul joueur que tu connaissais déjà avant de signer à Brest? Non, je connaissais aussi Ludo Ball, parce qu'il était au RC Lens aussi il y a un certain nombre d'années, là, je pense. Je m'entraînais avec eux, et ouais, je connais Ludo et Mathias. Ils ont facilité ton intégration, ou alors dans tous les cas, tu es quelqu'un d'assez sociable et tu ne faisais pas de soucis par rapport à ça? Ils m'ont bien intégré et après, ben, je suis assez sociable aussi. Et après, ça se fait naturellement, comme a dit Alex. Et puis c'est des bons gars aussi. Le fait que Brest ait des défenseurs qui n'aient joué qu'en Ligue 2, ben, attends, il y a Brendan, il y a Jean-Charles, il y a Denis Bain, enfin, tu arrives avec un statut comme eux finalement, donc tu as des chances de jouer. Ça a compté aussi pour toi de savoir que tu risquais d'avoir quand même du temps de jeu ici aussi? Du temps de jeu, on va. Comment dire, c'est. Là, je suis venu ici pour le projet déjà, les ambitions. Puis après, ben, c'est des décisions du coach. Si je serais prêt à jouer, ben, là, je suis prêt à jouer. Et la concurrence, ben, c'est dans tous les clubs, t'as de la concurrence, donc après il faut faire avec. Et ben, on se bat tous pour jouer. Allez. Et pour avoir l'arrivée de Jean-Kevin, ça c'était important pour vous. Vous cherchiez un défenseur central depuis plusieurs semaines. Tu avais parlé au départ d'un d'expérience, après peut-être quelqu'un de plus jeune, finalement vous êtes rabattu sur quelqu'un de plus jeune. Comment ça s'est passé finalement cette recherche? C'est vrai que dans notre construction d'effectifs, avec le coach, on a toujours été clair là-dessus. On voulait partir avec 4 défenseurs centraux. Donc avec le départ d'Anthony Weber, on a toujours souhaité combler. Après, bien évidemment, on avait aussi à l'esprit, avec le coach, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on part sur un joueur avec plus d'expérience? Il y a un petit peu plus de vécu que d'autres vis-à-vis de la Ligue 1. Ou forcément, on repart avec un joueur, je ne vais pas dire de l'expérience, mais quand même, parce que quand on parle de Jean-Kevin, c'est un jeune joueur qui a quand même une centaine de matchs en Ligue 2. Donc ce n'est pas rien. Mais avec un profil différent, capable aussi de pouvoir s'imposer en Ligue 1, comme le font aujourd'hui nos défenseurs centraux. Et on est très content de s'être aussi porté sur ce choix-là. Ça n'a pas été simple. Pourquoi? Parce que ça s'est fait le dernier jour du mercato. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails qui ne nous regardent pas entre Jean-Kevin et Lens, qui forcément étaient en conflit. Mais ce qui nous a aussi peut-être permis pour nous de pouvoir aussi recruter un joueur comme Jean-Kevin. Parce que si ce n'était peut-être pas dans cette opportunité-là, Brest n'aurait peut-être pas été on va dire capable de pouvoir le recruter. Donc maintenant, aujourd'hui, on est très content. Le coach est aussi très satisfait de pouvoir travailler avec son groupe comme il le souhaitait. Et puis, comme je disais, c'est aussi à Jean-Kevin, les qualités il les a, c'est aussi à lui à rentrer dans un groupe qui est déjà constitué, à montrer aussi au coach qu'au quotidien, aux entraînements, il pourra lui aussi postuler à une place. Et en fonction de ça, dès qu'ils auront l'opportunité, ça sera à eux de pouvoir s'installer. Mais je n'ai pas de doute là-dessus quant à son intégration et à sa mentalité qui feront que c'est un joueur qui s'imposera. Mais comme je le disais aussi un petit peu par rapport à tous les bruits qui ont été, on va dire, dits, la seule chose qui permettra un petit peu de remettre les gens d'équerre, ça sera ses prestations. Et ça sera justement à travers ça qu'on dira ou pas si on a fait un bon choix, mais en tout cas, on a confiance en lui et on sait qu'on pourra lui apporter justement tout ça pour qu'il puisse grandir. Ça s'est fait, comme tu dis, sur le dernier jour du mercato, mais est-ce que c'était une piste de longue date? Ou alors c'est quelque chose qui s'est réveillé juste là? Non, c'est un dossier qu'on avait déjà activé, mais qu'on regardait attentivement parce que justement, on savait qu'il y avait ce conflit-là. On savait qu'aussi en début de mercato, il y avait des clubs qui étaient plus huppés que nous, qui s'étaient penchés sur Jean-Kevin, qui avaient même formulé une offre à Lens. Et qui, à travers ça, donc forcément, nous, on s'était un petit peu mis en retrait, mais malgré ça, on a toujours
suivi, on a toujours gardé le contact en permanence pour montrer aussi qu'il y avait un intérêt de notre part. Et ça nous permettait, nous aussi, de pouvoir regarder sur d'autres pistes parce que, comme je le disais, un mercato, c'est long. Et des fois, il y a des pistes qui peuvent s'ouvrir plus rapidement que d'autres. Et celle-ci, elle s'est ouverte le dernier jour. C'est vrai que ça n'a pas été aussi simple parce qu'il y avait un autre club de Ligue 1, comme il a pu le dire, qui s'est positionné là-dessus. Pour l'anecdote, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément... C'était aussi un souhait de sa part de vouloir partir de Lens. Il n'en a pas parlé, mais le dernier jour, il s'est retrouvé à l'aéroport. Il ne savait pas s'il devait prendre l'avion pour Brest ou pour Nantes, et c'était un peu compliqué pour lui. Donc, on lui avait dit que nous, on n'allait pas le lâcher, que lui aussi, il était plutôt très favorable à nous rejoindre, et que, naturellement, on a su être patient et faire en sorte à ce qu'il puisse nous rejoindre. Et on est très content d'avoir pu finaliser sa venue dans les dernières heures. Sans remettre en question le niveau des quatre défenseurs centraux, est-ce que arriver en Ligue 1 avec quatre défenseurs centraux qui n'ont pas connu l'élite, c'est pas un peu risqué? Oui et non, ça dépend. Je peux donner des exemples. Il y a Nîmes l'année dernière avec des joueurs qui ont connu uniquement la Ligue 2 et qui ont fait une bonne défense. Il y a Angers, quand je repense à Romain Thomas, quand ils sont montés avec Ismaël Traoré, qui ont constitué aussi une charnière centrale et qui aujourd'hui est encore titulaire. Donc il y a plein d'exemples et des contre-exemples aussi avec des clubs qui sont montés, qui ont pris des joueurs d'expérience, notamment, pour ne pas les citer, qui sont redescendus aussi l'année d'après. Donc forcément, ça, malheureusement, on n'a pas la réponse. C'est surtout un équilibre à trouver dans un collectif, aussi dans un recrutement. On peut prendre aussi des joueurs qui ont de la qualité, mais qui parfois n'arrivent pas sur le terrain à trouver la bonne formule. Donc là, c'est aussi, on espère avec le coach, trouver justement les meilleures choses possibles pour que ça puisse marcher. Et ça, malheureusement, il n'y a qu'à la fin de saison qu'on pourra voir si ça a pu, bien évidemment, être en notre faveur. Mais encore une fois, si c'est pour prendre des joueurs d'expérience mais qui ne vous apportent rien sur l'aspect technique et surtout sur l'aspect humain, autant partir sur des joueurs qui ont un potentiel et qui ont aussi la capacité de pouvoir s'adapter rapidement en Ligue 1. Mais ça, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Et ça sera aux gens et à nous de juger quand on regardera les matchs le week-end. On y va. Ok. Une dernière série.